Adi Shankara. Parole. La nacre semble contenir de l'argent, mais ce n'est qu'une apparence. De même, le monde semble réel jusqu'à ce que l'on réalise le soi suprême. Qu'est-ce que la recherche de la vérité ? C'est la ferme conviction que seul le soi suprême est réalité et que tout le reste n'existe pas. Le trésor de la réalisation que j'ai découvert ne peut être décrit par des mots, et le mental ne pourra jamais le comprendre. Lorsque votre dernier souffle se produit, la grammaire ne peut pas vous sauver. L'élocution, le savoir littéraire, tout cela est pour le plaisir de ceux qui savent, mais cela ne conduit pas à la libération. Si vous maîtrisez vos sens et votre mental, alors vous verrez le Seigneur qui réside dans votre cœur. Certes, je ne suis pas mon corps, mais pour autant, je n'ai pas à le négliger. Il est un véhicule que j'utilise pour interagir avec le monde. Il est le temple qui abrite la personne suprême. Le monde, plein d'attachements et de rejets, semble bien réel, jusqu'à ce que l'on s'éveille. Ne soyez pas fiers de vos possessions, de vos relations, de votre beauté, de votre jeunesse. Tout cela vous sera enlevé par le temps, en un éclair. Abandonnez ce monde illusoire. Atteignez la personne suprême. L'espace semble divisé et multiple du fait de la grande variété de formes que l'on y rencontre. Enlevez les formes et seul l'espace demeure.
C'est la même chose avec la personne suprême. Vous devez vous connaître en tant que Sat, Chit, Ananda, existence, conscience et béatitude. Om Shanti.